Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Voilà, donc, il y a une idée ici, comme vous l'aurez vu dans le titre. Je vous retrouve pour des idées cadeaux un petit peu masculines, mais pas que, hein. Ça peut être pour les deux sexes. Mais voilà, l'idée étant que c'est l'anniversaire de mon meilleur ami à l'heure où je vous filme demain. Et donc avant d'emballer les cadeaux, je voulais tout simplement vous montrer un petit peu quelques idées cadeaux pour un garçon qui colorie ou non, qui aime bien Harry Potter, qui aime bien les Lego, etc. Donc c'est parti, on y va de suite et on va pas s'attarder sur l'introduction. Donc j'ai acheté il y a quelques temps, je lui ai acheté ceci. Donc c'est un Lego, voilà, avec un Stitch et un cœur. Et donc bon, il a eu du mal à le monter. Effectivement, je l'ai monté parce que ça me faisait de la peine que ça restait en sachet. Comment vous dire que c'était un casse-tête monumental. J'ai plus de doigts, mais j'y suis arrivée au bout de 3 jours. Résultat, fini. Donc voici la bête. Hop, donc je vous le filme avant de lui rendre. Donc voilà le petit Stitch, enfin le petit, tout est relatif, hein. Hop, il est super fragile et le voici. Hop, il est assez grand, vous voyez, donc j'essaye de vous le montrer un petit peu dans tous les sens pour pouvoir voir un max de détails. Mais effectivement, il a été bien galère à faire. Voilà. Donc voilà pour le petit Stitchounette que je rendrai là, incessamment sous peu, ce week-end. Mais après, on verra quel jour du week-end. Donc voilà pour la première idée qui est plutôt sympathique. Celui-ci, je l'ai acheté sur AliExpress, mais voilà, vous pouvez le trouver n'importe où. Deux têtes, j'en avais eu pour presque 50 euros, quelque chose comme ça, donc quasi aussi cher qu'un vrai Lego. Je voulais un Stitch qui était plutôt cool, avec un cœur, voilà, pour symboliser notre amitié qui est devenue une famille de cœurs. Mais voilà, dans les vrais Lego, il n'y avait pas ce que je voulais, ou c'était beaucoup, beaucoup trop cher pour pas grand-chose. Donc, voilà, voilà. Ensuite, hop là. Donc, ensuite, là, donc ça, j'en ai pris besoin. C'était vraiment pour vous montrer. Après, je le rends en cas où s'il y a des pièces qui se barrent, etc. Donc, on lui a pris comme idée un petit peu bêtise. Voilà, parce qu'on aime bien s'offrir des idées un petit peu bêtises de temps en temps, comme ça. Donc, un petit pèse, il aime bien les bonbons, et un petit pèse sur le thème Harry Potter. Voilà. Donc, ça, le pèse, peut-être 3-4 euros. Ensuite, on lui a pris une tasse comme ceci. Hop. Une tasse comme ceci, donc sur le thème Harry Potter. Le beige, je vous ai pas dit, mais c'était en grande surface. Celui-ci, c'était à King Jouet, si je vous dis pas de bêtises. Et puis voilà, j'ai plus le prix, mais de tête, c'était une 15aine d'euros, je crois. Ensuite, hop, il s'est mis au coloriage avec moi récemment. On s'y est mis quasiment ensemble. Donc du coup, je lui ai pris celui-ci. Donc ce livre vient de chez Amazon. On l'avait vu sur Cultura et sur la Fnac. Mais il avait des défauts, donc du coup je l'ai commandé sur Amazon. Hop, je vous le passe. Donc voilà, une petite revue
Hop, Stitch, tu vas me déranger. Recule un peu. Voilà. Ouais, Stitch, tu nous déranges. On part pas trop loin parce que je veux pas que tu te casses. Voilà. Donc, petite revue rapide. Mais voilà, on a eu du mal à trouver le livre entier. Donc, je sais pas si vous connaissez. Il adore les mangas. Et maintenant, il a mis beaucoup de colo. Donc, c'était un petit clin d'œil pour les deux. Et les chibis, il aime beaucoup ça également. Forcément, il aura des pages coup de cœur. Hein. Mais voilà. Je vous les passe une par une, mais assez rapidement quand même. Parce qu'on ne va pas y passer longtemps. Hop là. C'est juste quelques idées cadeaux qui changent un petit peu de l'ordinaire et qui complètent du coup ma chaîne, vu que je pense qu'il fera quelques apparitions dans certaines vidéos. Hop. Très mignonne la petite sorcière. Hop. Celle-ci aussi très choupie. Celle-ci aussi. On dirait une Mulan version manga chibi, mais très sympa. Un peu de gourmandise, ça fait toujours plaisir. Et les petits poissons. Voilà pour ça. Donc du coup, on lui a pris ce livre. Donc quand je dis on, c'est mon homme et moi. Et je lui ai pris également celui-ci. Je peux pas vous l'ouvrir, il est encore sous ses lots. Hein. Vous voyez qu'il est transparent. Mais voilà, je lui ai pris ce livre, le livre des enluminures. Franchement, il me fait de l'œil depuis des mois et des mois et des mois. Je le vois sur la toile, il est magnifique. J'ai dû galérer, pour pas dire d'autres mots, pour le trouver en neuf. Sous scellé, pas commencé, etc. etc. pour être ouvrable. C'est chose faite. Du coup, c'était un vendeur un peu professionnel, on va dire ça comme ça, que j'ai trouvé sur Le Bon Coin. Franchement, adorable, monsieur. Voilà pour le livre. Donc, vous voyez, hop, il est bien sous plastique. Donc je ne peux pas vous l'ouvrir, je verrai avec sa permission si je peux vous faire une petite revue là-dessus, pourquoi pas, voilà, une autre vidéo en revue comme ça sur ce livre, il est juste canon, il a des teintes de doré, voilà, dessus, je le trouve juste trop beau, en le regardant ouvert, une fois qu'il l'aura ouvert et je verrai réellement comment il est. C'est possible que je craque dessus. Voilà, clairement. J'aime pas. Enfin, j'aime Harry Potter, mais pas jusqu'à le colorier. Mais franchement, ce livre peut me faire changer d'avis. Voilà. Donc, il y a 80 illustrations dedans. Et je me rappelle plus du prix. Je sais qu'il tournait entre 30 et 40 euros le livre. Quelque chose comme ça.
Voilà pour ça. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, ça fait toujours plaisir. Et des commentaires. Me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que ça peut être des cadeaux que vous êtes susceptible d'offrir ou non à des personnes qui font les mêmes loisirs ou qui ont les mêmes centres d'intérêt, que ce soit ceci ou ceci. Voilà, voilà. Et on se retrouve très bientôt, donc la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo. Salut !